bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce petit vlog. Donc, je vous retrouve. Il est. Attendez, je vais vous dire quelle heure il est exactement. Donc, il est 16h42. Donc, ça fait un moment que je suis rentrée du travail. J'ai bossé ce matin. Je suis rentrée. Il était 15h et passé 15h. 5 minutes comme ça, j'ai rien fait, je suis rentrée, j'ai resté dans mon canapé, j'ai pas fait grand chose. Je vous avoue, franchement, j'étais un peu fatiguée alors que je devrais faire beaucoup de choses. Je devrais le rez-de-chaussée, nettoyer à fond, ranger, mais j'ai pas pu faire. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Je suis restée sur mon téléphone, j'ai rien fait. Donc là, je viens de me laver, j'ai pris ma douche, je me suis changée un peu parce que quand je rentre, il faut que je me lave, sinon je suis pas bien, je suis pas bien. Donc voilà, là pour le ménage au salon, je pense que c'est mort, je pourrais pas faire là avant que les enfants rentrent. Donc si je peux, je ferai après, donc après les avoir couchés le soir. Donc, je pense que je vais faire ça. Sachant que j'ai des courses à prendre à Auchan. Non, aujourd'hui, je ne vais pas à Auchan. Aujourd'hui, j'ai changé. Je vais aller à Lidl. Je vais aller voir à Lidl. Et donc, je dois prendre le lait pour mes enfants. Je dois prendre quelques bricoles. On verra bien. Après, j'aimerais faire aussi. Hier, mon mari, il a été au marché, il a vu oh, les lingalingas, je ne sais pas si vous connaissez les amarantes, c'est pas tout le monde qui connaît, hein. C'est comme les épinards, donc il a acheté ça, donc je dois les cuisiner aujourd'hui, sinon ça va s'abîmer. Donc je vais les faire à la viande hachée, avec des tomates fraîches, comme ça. Donc je vais prendre ça aussi, les tomates fraîches, parce que j'en ai pas ici dans mon frigo. Oui, je dois prendre aussi quelques fruits parce que j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Voilà, donc c'est pas grand-chose que je dois. Comme j'ai pas pu faire le ménage en rentrant du travail, ce que je vais faire là, je vais sortir là tout de suite, prendre quelques courses parce que je dois récupérer mon fils 16h30. Non, 16h30, je dis des bêtises. Je dois récupérer mon fils à 17h30. Je pense que je vais aller à Lidl, prendre ce que j'ai à prendre. Et après, je récupère mon fils. Voilà. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Après, pour le ménage, on verra plus tard dans la soirée. Hein. On verra plus tard dans la soirée. Et aussi, j'aimerais faire ça. Il est temps. Il est temps que je touche à ça. Donc, si je peux. Mais il faut que je trouve du temps, je dois faire ça. Donc je dois retirer tout ça ce soir. Je viens de rentrer, en fait je suis sortie, il était 16h40 comme ça. Donc j'ai traîné, franchement aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Donc j'ai traîné, après je suis partie vite fait à Lidl, mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais prendre. Je voulais m'excuser parce que là, j'étais obligée de couper la vidéo parce qu'il y avait mon fils qui s'agaçait. Il était un peu fatigué du coup. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il pleurait beaucoup. Du coup, je ne peux pas vous mettre la vidéo. Sinon, je vous disais que j'ai été obligée de passer à Auchan parce que j'ai pas pu trouver tout ce que j'avais, tout ce que je voulais prendre à Lidl. Donc, on va continuer avec le petit retour de course. Que j'ai acheté vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait, ce que les achats que j'ai fait. Voilà, donc pour commencer à Auchan, j'avais besoin des chaussures comme ça. Du coup, je les ai eu à 7 €. 7 €. En fait, ça c'est pour travailler, c'est pour le travail. Comme il fait très chaud, du coup, je préfère. Travailler en basket, non pas en basket. En basket, je transpire et moi, j'aime pas mettre les chaussettes. Je transpire et après, ça sent mauvais. Donc, je préfère ça, les crocs, comme ça. C'est aéré, ça sent pas mauvais et je peux les laver comme je veux toutes les. Des jambons, c'est pour
ce soir. Après, pour mes enfants, j'ai acheté du jus. J'en ai pris deux comme ça. Et après, des yaourts pour mon fils, mon premier, pardon. Donc après, je lui ai pris ça, les carottes râpées, il aime beaucoup. Moi, je préfère les carottes râpées de Auchan. Ils sont meilleurs, je trouve. Quand je les râpe moi-même, c'est... Oui, c'est des carottes râpées, mais c'est pas le même goût. Du coup, je lui prends ça. C'est à 90 et quelques... En tout cas, c'est à moins d'un euro. Après, j'ai acheté ça pour ce soir. Donc, ça va avec les croque-messieurs. Et je lui ai pris ça aussi, le petit des céréales. Donc, ce que j'ai pris à Auchan, c'est bon. Donc, j'ai pas pris grand chose à Auchan. Après, à Lidl. Donc, j'avais acheté du pain. Donc, ça, c'est pour le petit déjeuner. Après, j'ai acheté ça. À ce moment, je mange beaucoup ça. Alors, j'ai acheté des poivrons tricolores. C'est pour faire les lingalinga tout à l'heure. Après, j'ai acheté des bananes. Donc, j'en ai deux ici. Ils sont déjà presque pourri, donc ça je vais faire un gâteau avec pour les sauver. Donc voilà, j'ai acheté des oranges à Lidl aussi. Après, donc j'ai pris du pain, c'est pour goûter. En fait, j'ai vu ma collègue manger ça, donc ça m'a donné envie. Du coup, j'ai pris ça pour goûter. Pour voir comment ça le goût, en fait, c'est du pain aux graines de céréales. On verra. Après, donc j'ai acheté ça aussi, c'est des petits pains grillés à Lidl, toujours à Lidl. Alors j'ai pris dans la salade, c'était à moins d'un euro. J'ai pris ça aussi, c'est pour mettre dans les lingalinga tout à l'heure. Alors, j'ai acheté des nectarines. Je sais même pas. En fait, je vous fais le retour de course vite fait parce que j'ai la pression dans mon fils. Donc, c'est pour ça. Vous allez m'excuser. Alors, j'ai acheté tomakuli aussi. C'est pour faire les lingalinga tout à l'heure. Ça, j'en avais plus les produits pour se laver. Ça, c'est du gel douche et un shampoing. Donc, j'en avais plus. Après, j'ai acheté les tomates et un melon. Un melon, je l'ai eu à 1,50 €. Franchement, c'était une bonne affaire. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vais me dépêcher pour faire les croques, messieurs. Et après, on va manger. Mon fils, mon petit, lui, il a déjà fini. Il a déjà fini de manger. Donc, coup. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh. Donc je vous retrouve le lendemain. Donc hier, franchement, j'ai pas pu clôturer le vlog parce que la soirée était très mouvementée. Et mon fils, mon petit, il avait... je pense qu'il était fatigué, du coup c'était un peu, il voulait qu'on s'occupe de lui, du coup en fait c'est pour ça que j'ai pas pu continuer le vlog. Et en fait mon mari s'est occupé de lui et après je vous ai fait un retour vite fait, je pense que vous l'avez déjà vu au début de la vidéo. Et après j'ai préparé le dîner, je pense aussi que vous l'avez déjà vu. Et donc moi aussi, après, je me suis occupée de mon grand. Donc après, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. À part faire ça, j'ai défait les tresses hier. Et c'est mon mari qui les a enlevées.
Du coup, j'ai pas pu filmer parce que, vous savez, lui, il veut pas que je le filme, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, c'est mardi. J'ai travaillé ce matin, je viens de rentrer. Je me suis lavée. Voilà, donc là, je suis dans la salle de bain, donc je me suis lavée et on va faire des choses. On va faire des choses ensemble, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, ce que je dois faire, je dois nettoyer les salles de bain, parce qu'en fait, il y en a deux, en haut et en bas. Donc moi, ce que j'ai fait pour me soulager, pour m'aider, donc j'ai réparti mes tâches ménagères. Donc chaque jour, j'ai quelque chose à faire, comme ça, c'est plus facile pour moi, c'est plus simple. Comme ça, je ne me retrouve pas avec beaucoup de choses, vous voyez? Donc, c'est comme ça que je me suis organisée. Je suis en train de tester. Là, c'est ma deuxième semaine. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, je vais faire les salles de bain. Donc, vite fait, hein, vite fait. Pas à fond. Histoire que ça soit présentable, que ça soit propre. Voilà. Et après, si je peux, je vous montrerai les colis que j'ai reçus aujourd'hui. Si j'ai le temps. Sachant que je dois aller récupérer le grand à l'école et l'accompagner à la piscine parce qu'aujourd'hui il est à la piscine. Donc, si j'ai un peu de temps, donc je vous montrerai le colis que j'ai reçu, que j'ai commandé sur Amazon. Amazon.
Donc, en fait, moi-même, je ne sais pas, je ne me souviens plus ce que c'est. Du coup, ça, on va découvrir ensemble ce que c'est. Je sais déjà ce que c'est. Hein. Ah! All right. Ah! Ok! En fait, ça, c'est des... ça, c'est des autocollants. C'est des autocollants que je vais mettre ici, que je vais coller là, sur ma crédence. C'est comme ça. Donc, je vais coller ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est des autocollants. Regardez, c'est joli. J'aime bien la couleur. C'est très joli. Donc, comme ça, j'aurais plus besoin de cacher. Attendez, je vais vous montrer. Donc, comme ça, j'aurais plus besoin de cacher ça. Ça, je vais cacher avec ça. En fait, sur la photo, en gros, ça sera comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Donc, voilà. Donc, je suis très contente. J'ai commandé sur Amazon, c'est des autocollants. Et après, j'ai commandé les produits. Aussi, les produits ménagers, c'est du vinaigre blanc. Mais très, très concentré, en fait. C'est très concentré, du coup, j'ai pris ça, en fait, c'est pour nettoyer ma hôte. Alors, après, donc, j'ai pris aussi de bicarbonate de soude. C'est, en fait, c'est très concentré aussi. Ça aussi, c'est pour nettoyer en profondeur ma hôte. Hé, c'est lourd! Voilà, c'est un gros carton, une friteuse sans huile. J'ai pris la marque Kozori. Voilà, donc, je vais ouvrir, on verra ensemble. En tout cas, c'est bien emballé. Hein, je sais pas si ah. Voilà. Ah oui, il y a des livres aussi. Ah, mais ça blague pas. Il est venu avec des livres. Eh ben, dis donc. Recettes. Donc, c'est ça. Ah ouais, ça c'est mon truc. Ça, c'est mon truc. Regardez ce qu'on peut faire avec. Franchement. Regardez, on peut faire tout ça avec. C'est pas beau, ça? Même les brochettes. On peut faire les brochettes avec. Voilà. Ah oui, c'est en fait c'est les mêmes livres, mais en langue différente. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça, franchement, je ne sais pas ce que c'est comme langue. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc on verra, je regarderai tout ça tranquillement. Donc voilà. Alors, et la machine? Il faut que je fasse attention pour ne pas l'abîmer. Ah. Oh, j'ai changé le machin là. Moi, je pense que là aussi c'est pas au bon endroit. Ah si, c'est bon. Ah ouais, elle est énorme, hein. Eh ben, dis donc, il est imposant. D'accord. Ok. Voilà.
Donc en fait, la machine, elle se présente comme ça. Je vais m'arrêter par là parce que en fait, si je continue, le vlog va être trop long. Donc je pense que je vais le clôturer par là. Sinon, j'ai beaucoup de choses à faire. Il me restait beaucoup de choses à faire. Donc là, mon mari, il m'a aidé. Il est parti chercher le grand et l'accompagner à la piscine. Donc ça, j'ai dit, ça m'a beaucoup aidé. Comme ça, j'ai pu continuer à faire mon ménage de salle de bain. Donc j'ai fait la salle de bain à l'étage et ici en bas aussi. Donc j'ai fini, j'ai tout fini. J'ai tout fini. Il est 17h25. Donc ce que je vais faire, je vais préparer les lingalingas. Hier, j'ai pas pu les préparer. Donc je vais préparer les lingalingas et après 17h45, j'irai chercher le petit à la crèche. Donc voilà. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.